Bonjour à toutes et tous. On est ici à Marseille, à la salle de spectacle et de concert La Franchie, pour vivre une belle soirée d'une heure et demie. On est ensemble à peu près jusqu'à 20h. On va vous parler aujourd'hui du programme Jeunes des Deux Rives. Et cette fois, ce n'est pas nous, les éducateurs, les coordinateurs, mais vraiment les jeunes qui participent à ce projet, qui vivent des actions de solidarité ici, en France, au Maroc, en Tunisie, qui vont nous parler de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils feront. Puisque ce programme Jeunes des Deux Rives, qui est un programme porté par Solidarité Laïque en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône qui nous accueille ici à Marseille, mais également Migration et Développement qui nous accompagne là-bas au Maroc, ou encore Solidarité Laïque Méditerranée, mais aussi les CMEA, Enras et des amis comme Kaina TV qui ont bien voulu assurer cette émission. Et puis l'idée là est vraiment de bien vous présenter, de vous faire vivre ce programme à travers ce qui vivent les jeunes. Donc on va commencer avec, on a presque une dizaine de groupes, on est plus de 100 aujourd'hui là, ensemble jusqu'à 20h pour cette émission et un peu plus pour le off après. On va commencer aujourd'hui avec le club Arc Équipe d'Amitié qui nous vient du 13e arrondissement de Paris. Et qui sont partis il y a 2 mois au Maroc mener un projet avec le Forum de la Jeunesse Rurale dans la commune de Tafingoult, dans le centre du Maroc, dans la région Sousmassa. Merci Jérémy. Alors, j'ai envie de vous poser d'abord la première question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi c'est Rafik, éducateur dans l'équipe ARC. Pour l'association Arc Amitié dans l'équipe Clipper, on se situe sur le territoire de Glacière, dans le 13e arrondissement. Et on a fait ce projet-là avec 4 jeunes. Il y a un jeune qui n'est pas là malheureusement pour des causes de professionnels. Mais je vais vous laisser vous présenter les jeunes de Glacière. Moi c'est Diaby, j'ai 17 ans et j'habite à Glacière. Et j'ai fait partie du projet aussi en tant que jeune. Moi, c'est Souleymane, j'ai 19 ans. J'ai aussi fait partie du projet au Maroc. Bonjour, je m'appelle Django, j'ai 20 ans. Et je fais partie de l'association ARC. Très bien, merci. Alors, du coup, je précise, vous êtes allé au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler précisément de votre projet et de votre partenaire ou vos partenaires, si vous en avez? Nous, notre projet, c'était un projet de sensibilisation à la discrimination par le biais du sport. On est parti, on a fait un débat avec les Marocains sur la discrimination. Et on a aussi fait la réhabilitation d'un terrain qui était de base qu'un terrain de foot. On l'a transformé en terrain de basket, volleyball, handball, en vrai tout, pour que tout le monde puisse jouer parce que... Là-bas, en fait, c'est mal vu que les filles vont jouer, qu'ils fassent du sport, quoi. Donc, voilà. En fait, c'était notre projet principal, c'est pourquoi on est parti, c'était de réhabiliter un terrain. Et du coup, on s'est rendu compte en arrivant que c'était un peu, c'était très mal vu même pour les femmes de jouer au foot. Et du coup, on a eu un peu une deuxième mission, c'était un peu de les intégrer dans le terrain, faire des jeux, le volley, le foot et le basket. Et ça s'est très bien passé. Et maintenant, ça continue. Les femmes peuvent jouer et tout. Et je pense que c'est cool, quoi. Et on est parti et ça a pas été on y va et on fait le terrain et on part. Ça a vraiment été un échange et on a appris beaucoup de choses des Marocains. Et c'est vraiment ça qu'on a vraiment apprécié chez eux. Et concrètement, qu'est-ce qui vous a donné envie de ce projet? Pourquoi précisément au Maroc exactement? Pourquoi le Maroc? C'était par le biais du programme Jeunes des Deux Rives. Et nous, on avait l'intention de faire un projet autour du sport parce que dans notre équipe Clipper, on utilise beaucoup le média du sport pour travailler avec les jeunes autour de notamment la discrimination, mais aussi la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et lorsqu'on est rentré dans le programme Jeunes des Deux Rives,
Manduquette, l'animateur territorial, nous a parlé d'une association Faugère qui, eux aussi, font un peu le même travail, mais eux, c'est complètement un autre territoire. Nous, on est dans Paris, c'est une ville, c'est rempli de bâtiments, etc. Alors que Taffin-Gould, c'est un petit village qui est juste avant la montagne. Je pense qu'ils ne sont pas plus de 1000 habitants. Mais malgré ça, ils utilisent eux aussi le sport pour lutter contre la discrimination, contre notamment la discrimination contre hommes-femmes, ou bien même le fait que le sport en lui-même, le fait qu'on ait pu transformer ce terrain-là en terrain de basket et de handball, c'est pas que pour faire pas que pour les femmes, mais aussi pour les gens qui ne pratiquent pas que le football. Enfin, le football, c'est un sport, mais il y en a plein d'autres dans le village qui ne pratiquent pas le football, qui n'aiment pas. Dans tous les quartiers, il y a des gens qui aiment mieux le football, d'autres qui n'aiment pas. Et le fait de rajouter ces autres terrains, le transformer en terrain multisport, ça pourra amener d'autres vocations, on espère. Moi, j'avais une question. C'était à la base, pourquoi vous avez fait ce projet? Qu'est-ce qui vous motivait? C'était quoi l'envie de participer à ce projet? Parce qu'on ne sait pas que c'est juste un voyage. Ça fait partie de l'envie, mais j'ai l'impression, en tout cas, que ça allait au-delà juste de voyager. Parce que on a même gardé des liens avec eux. Il y en a qu'on a sur Instagram. On a même un groupe WhatsApp entre eux où on parle. De temps en temps, on s'envoie des trucs. Avec les Marocains? Oui, avec les Marocains. Tout le monde. Tous ceux qui ont fait partie du projet ici en France et là-bas au Maroc. Et votre impression maintenant que vous l'avez vécu, ça continue ces échanges? Vous avez envie de continuer? Vous avez envie de refaire d'autres choses? Oui, c'était une bonne chose. On était heureux. Ça nous a fait plaisir. Parce qu'ils étaient tous contents. Ils ne voulaient pas qu'on parte. Et nous aussi, on ne voulait pas partir, mais voilà. Merci à vous. Merci beaucoup et bravo. Félicitations pour votre engagement. Bravo. On va maintenant passer au groupe d'Enras Solidarité, qui nous viennent le temps que j'arrête. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse Samy. Reste avec nous. Boubacar, pardon. On appelle maintenant le groupe d'Enras qui nous viennent du sud-sud-ouest de la France. Enras, qui est une association éducative qui est sur différents territoires, Perpignan, Béziers, Carcassonne. Alors Enras, vous, ça fait quelques années que vous faites ces projets de solidarité internationale. Certains ont pu partir à l'automne dernier. Vous deviez déjà partir cet été. Les projets ont dû être reportés avec la vaccination obligatoire pour tous les mineurs, alors qu'elle venait à peine de commencer en France, à une semaine du départ. On a dû reporter ces projets. Je sais que vous aviez deux projets qui devaient partir cet été. Un a pu partir à l'automne. L'autre n'a pas pu partir puisque les frontières marocaines ont fermé juste au moment de prendre l'avion. Je crois la veille, on a appris que les frontières ont fermé et on est à nouveau dans un report. Donc, l'idée est de partager un peu ce que vous aviez fait et ce que ça vous apporte aussi, puisque vous allez faire pour la suite, quoi. Bien, bonjour à vous, soyez les bienvenus. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Paul Neveling, je suis éducateur au PSEP au Lame de Gouges, à Castelnaudary, et je tiens un atelier qui est un atelier de remobilisation, voilà, où j'ai à charge entre 5 et 6, 7 jeunes. Nous sommes deux éducateurs à temps plein, et voilà, on travaille la remobilisation avec nos jeunes. Et alors, qu'est-ce que ça... On va laisser la place aux jeunes, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans vos pratiques à Enras, ces expériences de solidarité internationale? Parce que ça fait longtemps que vous les menez, en plus. Pour ma part, ça fait à peu près 7-8 ans qu'on participe à ces chantiers solidaires. Pour ma part, j'en ai fait deux. Le premier était à Sidi Bou Bekr. Dans l'Oriental, à côté d'Oujda, où nous avons monté un atelier de mobilisation, permettre la mobilité aux femmes. Beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, qui ont divorcé, on s'est aperçu qu'elles ont été exclues
Elles étaient exclues du village. Et c'était compliqué pour elles de pouvoir travailler sans moyen de locomotion. Donc on a monté un projet avec nos jeunes, parce qu'on a aussi un atelier de petite mécanique. Donc l'idée, c'était d'amener des mobilettes, des vélos à Sidi Boubekir. Et puis avec nos jeunes, ben voilà, on a pu monter cet atelier et permettre à quelques mamans de trouver du travail grâce à cette mobilité. Merci. Voilà. Alors on va passer à vous maintenant, messieurs. Est-ce que certains d'entre vous ont pu partir déjà ou vont partir? Alors moi, personnellement, j'ai pu partir au Maroc en août. En août, j'ai pu partir au Maroc. Je suis parti à Tallywine. Et c'était un projet multiculturel. Donc on devait monter un bâtiment. On devait construire un étage d'une bibliothèque. Et du coup, ça s'est bien mené. Ça s'est vraiment bien mené. Ça a permis de se rendre compte que toutes les personnes n'ont pas le même accès à la culture dans différents pays et qu'il y a beaucoup de misère sociale dans certains endroits du monde qui sont parfois mis à part sur la planète, quoi. Et ça a permis de se rendre compte que c'était important de venir en aide à ces gens-là. Merci. Concrètement, aujourd'hui, quel lien gardez-vous avec ceux qui bénéficient de votre projet ? Un lien qui est fort, qui y a une mélange de culture, de statut. j'en garde, oui. Je leur dis toujours quand je pars avec les jeunes, vous ne posez pas trop de questions, suivez-nous. On travaille le lien, et le lien se crée, et le lien se crée aussi sur les chantiers. Donc, ces jeunes reviennent toujours avec des expériences, avec des choses qu'ils ne vivent pas en métropole. Ils ont l'occasion de dire, écoutez, on a de la chance, mais aussi, on aimerait aussi avoir un retour aussi de nos amis marocains, tunisiens, et de voir un petit peu aussi comment eux voient la métropole. Je trouve que ça manque un peu, mais bon, il y a du lien. C'est vrai qu'on a bon espoir, là, après 2 ans là, d'entrave à nos circulations, on a quand même bon espoir que cette fois, on puisse enfin avancer, puisqu'on a aussi nos camarades marocains qui sont toujours là-bas, nos amis tunisiens également. Youssef, toi, t'es pas parti, mais tu me disais que t'étais du prochain projet et que t'avais envie de partir. Pourquoi t'as envie de partir? Tu peux nous expliquer un petit peu? Pour aider les gens et... Parce qu'en fait, j'aime bien aider les gens. Tout simplement. Voilà. Bravo, Youssef. Merci. Merci. Merci, les amis d'Enras. On va passer maintenant à Espoir 18. Aux amis d'Espoir 18, qui, eux, qui nous viennent du quartier du 18e arrondissement de Paris, quartier de Barbès, la Goutte d'Or. Je ne les vois pas monter. Je ne vois pas Espoir 18. On vous attend. Alors, Espoir 18, c'est une association qui mène des actions de solidarité internationale depuis fort longtemps. On s'est connus il y a presque 20 ans. Et ils vont nous parler du projet qu'ils ont mené au Mali, puisqu'ils viennent de rejoindre Jeunes des Deux Rives. Ils avaient un projet au Maroc qui n'a pas pu se faire, mais on pense bien qu'ils vont pouvoir le mener à bien. Un autre groupe avait pu partir, lui, au Mali. Donc on va les laisser se présenter et puis nous raconter un peu tout ça. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Alors, comme l'a dit Jérémy, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis animatrice à Espoir 18. Et tu t'appelles? Et je m'appelle Aïcha. Voilà. Et du coup, on a participé à de nombreux chantiers solidaires. Et aujourd'hui, je suis venue avec un groupe qui était très motivé à l'idée de participer à ces chantiers. Donc, c'est nouveau pour eux, ils n'en ont pas encore fait, mais c'est un projet qu'ils souhaiteraient faire. Bonjour, je m'appelle Adia. Bonjour, je m'appelle Asna, je fais partie de l'association Espoir 18. Bonjour. Je m'appelle Youssouf et je suis parti de l'association. T'as pas entendu? Je suis parti de l'association. Ok.
Bonjour. Vous baissez votre masque hein, quand vous parlez, parce que du coup, vous entendez un peu moins bien. Bonjour, je m'appelle Curtis et je fais partie de l'association. Il y en a qui sont partis au Mali, là, il me semble, sur le projet de cet été. Aïcha ? Oui, c'est ça. Tu peux nous dire un peu où vous étiez et quel était le projet et avec qui vous l'avez fait ? Alors, du coup, on est arrivé sur Bamako au départ. Ensuite, on est allé au village, donc le village de Souena. Et le projet, en fait, c'était... D'abord, on a repéré les problématiques qu'il y avait là-bas. Et les habitants du village nous ont fait part que la plus grande problématique, c'était la lumière. Donc, il n'y avait pas de lumière. Donc, du coup, à partir de là, on a posé des lampes, des panneaux solaires, en fait. Et la première fois qu'on y allait, on en avait posé 10. Et la deuxième fois, on y est retourné, on en a posé 15. Donc, voilà. Des lampadaires à panneaux solaires. Voilà, c'est ça. Pour apporter la lumière au village, tout simplement. Voilà, parce que c'était, il y avait vraiment aucune lumière, et voilà. Qu'est-ce que vous aviez comme envie justement de participer à ce projet, ou qu'est-ce que vous avez comme envie de participer à de futurs projets? Pourquoi ça vous motive de vous investir dans ce type de projet? Moi personnellement, depuis que je fréquente l'association. Ça m'a donné envie de participer à des projets. Moi, je n'étais pas au Mali, mais on a fait un chantier solidaire dans le sud de la France, vers Toulon, dans un hôtel où c'est que des gens qui ont un handicap qui travaillent. Et on a rénové une salle avec eux, et voilà. Et j'aimerais bien continuer à en faire. Mais est-ce que pour toi, pour vous, poser des lampadaires pour ce village au Mali, est-ce que c'est aujourd'hui une fierté pour vous? En fait, c'est une énorme fierté parce qu'on a pu voir l'évolution au fil du temps. On voit que quand on est arrivé, il n'y avait vraiment aucune lumière. Et lorsque les lumières sont arrivées, ben déjà, on a vu les enfants autour qui jouaient, qui pouvaient réviser leurs devoirs. Il y a les commerces qui ont ouvert. Les gens ils pouvaient surveiller leur bétail la nuit parce qu'il y avait du vol. Donc en fait, on a vu que le résultat, en fait, il a été très bénéfique et on est très content de ça. Et aujourd'hui, quand on est en contact avec les gens du village, ils nous envoient des vidéos, ils nous expliquent voilà, le changement qu'il y a pu avoir. Donc on est très content de ça. Vous, mesdames, vous avez un petit mot à dire par rapport à, justement, là, tu nous disais... ton envie, ta fierté de participer à ces projets, que ce soit au Mali, mais aussi à Toulon, puisque vous avez mené des actions de solidarité ici en France. Quelle est votre vision ou votre envie là, pour ce projet à monter, puisque tout reste à faire aujourd'hui? Du coup, moi, je n'ai jamais fait de chantier solidaire. J'ai beaucoup été à l'association, j'en entendais parler. Ça m'a beaucoup plu, vraiment, d'aider les gens. Je trouve que c'est une bonne chose. Et je suis venue ici pour écouter les gens parler de leur chantier solidaire qu'ils ont fait, pour voir ce que ça leur a apporté et à quel point ils en sont fiers. Et j'espère que la prochaine fois que je viendrai, je serai autant fière d'eux d'avoir réalisé ce projet. Est-ce que par rapport au Mali, vous êtes toujours en lien, je veux dire, ou est-ce que c'était juste du one shot, vous êtes parti, vous êtes resté 2 semaines et puis voilà, vous avez vu un village, vous y avez vécu, ou est-ce que c'est vraiment une action plus installée dans le temps? Et puis comment ça s'est passé le retour, comment ça s'est passé la préparation sur le quartier? Est-ce que les gens sont au courant de ce qui s'est passé sur le quartier? Je sais qu'à Barbès, on parle beaucoup d'Espoir 18. On parle beaucoup, ça fait 20 ans que ces chantiers de solidarité internationale se font. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, Aïcha, notamment? Du coup, oui, c'est vrai qu'on est resté en lien avec les habitants de là-bas, parce que on a créé beaucoup de liens là-bas, en fait, et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en contact avec des gens du village. Étant donné qu'on y est allé 2 fois, je crois même 3 fois, une fois où j'étais pas là. C'est des chantiers qui sont fréquents, on va dire, et ouais, on est toujours en contact avec eux, et je crois même qu'il est prévu qu'on continue là-bas. Alors vous, messieurs, merci Aïcha, vous, messieurs, vous nous dites que vous avez connu tous ces projets à travers l'association, mais
Moi, c'est vrai qu'avec cette association-là, on a mené des chantiers depuis 20 ans. On a un peu... excusez-moi, c'est les aléas. Voilà. Comment on en parle sur le quartier, toutes ces actions-là, depuis longtemps ? Nous, on est Espoir 18, mais du côté du 19e. Et on entend les projets qu'ils font, on fait des projets en commun avec eux. Et comme nous, Espoir 18, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le 19e où on a fait que des petits chantiers en France, tout ça. Mais c'est prévu qu'on fasse des chantiers en commun avec eux, parce qu'ils sont un peu plus avancés que nous. Et en même temps, ça nous mélange, donc c'est bien. Ça nous mélange, c'est bien, je retiendrai cette phrase pour finir votre intervention. Je vous remercie, messieurs, dames, et bravo encore une fois. On va rester... alors, on me dit aussi en coulisses que finalement, on ne fera pas de pause parce qu'il y a vraiment aussi tout le monde est arrivé et il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de choses à dire. On va appeler les amis d'Esprit d'Ébène, mais également Hamza, qui nous vient, lui, du Maroc. On a au moins un témoignage de nos amis marocains. C'est bon, Babacar ? Tranquillement. Donc on est là, on reste sur Paris, cette fois-ci 18e, la Goutte d'Or, avec l'association Esprit d'Ébène. Et puis on a également notre ami Hamza, qui est aujourd'hui en service civique à l'international, à la Ligue de l'Enseignement, et qui lui travaillait jusque-là au centre cinématographique de Tiznit, à Tiznit, au sud d'Agadir. Et à Tiznit, au sud d'Agadir, au Maroc. Hamza, toi, le centre cinématographique de Tiznit, c'est un établissement qui a vécu beaucoup de chantiers, notamment avec les amis d'Enras, qui ont mené plusieurs chantiers, qui vont encore en mener, mais également avec les amis de la Ligue de l'Enseignement. Les amis de la Solidarité, tout à l'heure, viendront nous en parler. Hamza, tu peux nous présenter un peu ce centre cinématographique en quelques mots ? Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Hamza, j'ai venu d'une petite belle ville qui s'appelle Tiznit, au sud du Maroc. Donc là où se situe le complexe cinématographique de Tiznit, qui a un centre, qui a un espace culturel et créatif, qui répond aux besoins artistiques et culturels de la ville, en termes surtout de cinéma. Parce qu'il est composé des espaces dédiés au cinéma, à savoir une petite salle de cinéma qui est la seule ouverte à la ville ou à la région. Donc il y a aussi une médiathèque qui contient des livres et des ouvrages qui sont dédiés au cinéma. Il y a aussi un studio de production qui est pro, où les boîtes de production peuvent produire leurs propres films, et aussi pour les individus. Et du coup, c'est déjà l'espace en général. Il a pour vocation de promouvoir l'art à la ville et aussi de développer les compétences des jeunes de la ville. Et on peut dire que c'est une sorte de réponse à des besoins que les jeunes de la ville ou de la région cherchent toujours. Parce qu'il offre des occasions, des ateliers, des programmes qui permettent aux jeunes d'apprendre et d'avoir des échanges, avoir plein d'opportunités qui le permettent de bénéficier de ce centre-là. Donc je peux dire que c'est un centre qui est plus qu'un centre. Donc lorsque tu rentres en tant que jeune, tu te sens comme dans une famille. Donc c'est un peu ça. Donc voilà pour un petit peu du centre. Ah, très concrètement, en fait, c'est les jeunes de la ville, et avec les jeunes d'Enras, mais aussi les jeunes de la Ligue de l'Enseignement, les jeunes de Marseille et puis de Carcassonne, de Béziers, qui sont venus ensemble avec la jeunesse de Tiznit construire ce cinéma
de leurs mains, l'aménager, le faire monter, l'équiper. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de Tiznit, aux jeunes filles, aux jeunes garçons marocains de Tiznit, de s'impliquer dans la construction de cet espace culturel et puis de rencontrer aussi d'autres jeunes venus de France, mais aussi de Tunisie, puisqu'on a on n'a pas pu le faire cet été, mais on va le faire, ça c'est certain. Faire aussi des actions avec les jeunes tunisiens qui viennent chez vous. Qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse de s'engager comme ça localement dans cet espace-là? Du coup, malheureusement pour moi, j'avais pas l'occasion de participer à des chantiers, d'assister à ces chantiers-là. Mais vraiment, c'était un travail qui est énorme et qui a vraiment beaucoup de valeur parce qu'il a permis d'avoir un espace qui permet. On peut dire que pour en tant que jeune de Tiznit, si tu cherches un espace où tu peux apprendre, où tu peux rencontrer d'autres jeunes. Et vraiment ce genre de chantier permet de, on peut dire, de garantir les circonstances d'apprentissage et les meilleures conditions de travail, même pour l'association, même pour les associations de Tiznit. Donc ça fait vraiment plaisir à chaque fois de recevoir un groupe des jeunes qui peuvent venir chez nous à la ville et surtout au complexe. Donc je peux dire que ça a vraiment un grand impact qui est pas, on peut dire que même il est immatériel, mais il est vraiment, on peut dire que c'est très important pour moi en tant que jeune de Tiznit. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'action et de solidarité qui se font. Et alors la circulation, la solidarité, c'est pas que dans un seul sens, hein. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de jeunes Français et Françaises qui partent au Maroc, mais la circulation, c'est dans les deux sens, et on est très ému et très fier de suite à ces projets-là, à ton engagement au sein de l'association de Tiznit. Bah, t'es pu venir là dans le cadre d'un service civique au sein de la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône, avec l'accompagnement et l'organisation qui sont assurées par Migration et Développement, qui est une association fondatrice, hein, de ce programme-là, et puis qui elle est sur les deux espaces, à Marseille mais aussi au Maroc. Depuis quand tu es là, qu'est-ce que t'apporte cette expérience de mobilité, de circulation? Pour moi, on peut dire que c'est une opportunité que j'attendais depuis longtemps. Et vraiment, ça, je remercie énormément l'association Migration et Développement pour cette opportunité qu'elle nous a offrie en tant que des jeunes de la région de Sousse-Massa, et de venir en mission de service civique, de réciprocité. Vraiment, ça nous a apporté, on peut dire, plein de choses en tant que des jeunes de Sousse-Massa. Je tiens aussi à remercier la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône, et je tiens à les remercier pour l'accueil, et vraiment c'est vraiment une opportunité qui est très importante pour moi, et vraiment je tiens à remercier tous les partenaires qui ont participé à exécuter ce programme là. Donc, merci beaucoup. Merci, Hamza. On retourne à Barbès, avec Esprit d'Ébène, Awa. Oui. Alors, vous êtes tenace, hein? Ouais. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi que vous avez... Quasiment deux ans. J'étais pas là au tout début, mais j'ai participé à la seconde phase du séminaire à Agadir en janvier 2020. Donc on n'avait pas de masque, il n'y avait pas de passe sanitaire, pas de vaccin. Et c'était une année qui ça commençait avec de l'espoir. Et on a très vite vu les choses se ralentir un petit peu. Donc on s'est dit, bon, on va essayer quand même de faire les choses quand même, de faire le projet, de construire une équipe autour de ça, sachant que moi, c'était vraiment la première fois que je menais un projet du quasi début jusqu'à la fin, je l'espère. Et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Je te laisse poser ta question quand même. Je vais pas aller au plus vite. Est-ce que, vu votre initiative, vous espérez qu'il y a encore des personnes qui viendront vous supporter dans vos projets futurs? Oui, parce que si nous, déjà, on a confiance en ce qu'on fait,
déjà, ça installe un état d'esprit où les gens seront plus enclins à regarder ce qu'on fait. Si nous, on est sûr de ce qu'on lance, ben, les gens seront plus enclins, peut-être, ils vont mieux, plus nous remarquer, parce qu'ils se diront, ben, eux savent où ils vont, donc autant les suivre. Ils sont sûrs de où ils vont, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Donc, s'ils sont prêts à parier sur ce qu'ils font, ben, nous aussi, on peut les suivre. Donc moi, j'ai aucune inquiétude par rapport à tous les projets qu'on fait, que ce soit dans le programme Jeunes des Deux Rives, parce que nous, du coup, on devait le faire initialement en 2020. Ça a été un peu chaud. On a programmé ça pour 2021 et à deux reprises, on s'est fait fermer les frontières devant le nez, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on devait partir en juillet et 12 jours exactement avant qu'on parte, le Maroc a fermé ses frontières. Donc on s'est dit qu'on allait reporter. On avait prévu de faire ça en décembre et deux semaines ou trois semaines avant qu'on parte, pareil, ils ont fermé les frontières, donc on s'est retrouvés un peu démunis parce que c'est difficile déjà d'organiser quelque chose où on est dans la distance, toutes les histoires de visioconférence, etc. Même si on se dit on va quand même travailler, ça installe une distance entre nous et les interlocuteurs et du coup il y a un peu cette déconnexion qui se fait. Donc il y a ce travail à faire de oui, les jeunes, est-ce que vous êtes toujours dedans, est-ce que vous êtes toujours motivés? Et ça me surprend même de voir qu'il y a des jeunes qui sont toujours là et qui se disent « Ouais, moi, je suis là, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est un peu chaud, mais dès que c'est bon, tu me tiens au courant et on y va. » Et ça me fait plaisir parce que même moi, en tant que jeune slash bénévole, de me lancer dans ça et se dire des fois un peu « Ça me saoule, genre j'ai envie de laisser tomber, ça a l'air trop bourbier. » Mais que les gens que j'ai embarqués dans cette histoire avec moi, ben, ils se disent « Non, moi, je veux vraiment le faire aussi. » Et au final, peut-être les fois où moi, je vais un peu baisser les bras, ils se disent « Non, on y va. » Et du coup, ça me rebooste et je dis non, c'est mort. Et je mets un peu d'ego dedans. Je dis non, ça fait 2 ans que je suis dessus. Tous les séminaires, les multiplex et les connecte-toi et les appels WhatsApp ici. Je dis non, il faut absolument que ça se fasse. Au moins, cette première étape-là, ce sera un accomplissement. Après, même si ça ne se poursuit pas, mais ce que je ne souhaite pas, je veux que ça continue parce que c'est quelque chose de beau quand même. Et ça me fait plaisir d'entendre le témoignage de notre confrère tunisien ici. Mais voilà, il y a ce truc de, on est dans un monde interconnecté aujourd'hui, tout le monde communique avec tout le monde, on est au courant de tout ce qui se passe partout. Et bah, si nous, les jeunes, aujourd'hui, sachant qu'on est de plus en plus nombreux, si on peut faire entendre notre voix et faire des projets qui nous ressemblent et prendre part à ça, ben, moi, je ne lâche pas l'affaire, en fait. Mais alors, donc, justement, voilà. Tu parles de projets qui nous ressemblent. Le projet, c'est quoi, le projet que vous avez et avec qui? Alors nous, notre interlocuteur marocain, parce que du coup notre projet on le fait à Agadir, c'est Dramédia. Donc eux ils sont dans le, dans voilà tout ce qui est culturel, dans le théâtre, la représentation vraiment, les arts d'expression. Et à l'inverse, nous sur Paris, on est dans beaucoup de choses, mais on est aussi dans la culture. Et du coup c'est ce qui nous a, on a mis un peu de temps à construire le projet, mais ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est déjà il y avait aux violences policières, etc. Désolée, je dépasse le temps, mais le téléphone il va attendre. toutes ces questions, voilà, par rapport, enfin toutes les questions raciales qui ont un peu secoué la planète parce que ça s'est passé dans une partie et ça a fait écho partout. Chacun un peu l'a pris à sa manière et du coup on s'est dit il fallait qu'on exploite cette thématique-là. Et en août. Au sortir du confinement, on s'est dit bah, ce serait bien de permettre aux danseurs de pouvoir s'exprimer à nouveau parce qu'ils n'avaient pas pu danser pendant une partie de l'année. Et du coup, on a organisé Barbès Street Dance. Donc c'était sous le métro, Barbès. On a aménagé un ring de boxe et en fait, on a invité tous les danseurs d'Île-de-France à venir s'affronter. Donc c'était l'occasion voilà, de se revoir, de se mesurer les uns aux autres. Et on s'est dit bah, pourquoi pas mêler la danse qui fait partie de beaucoup de nos opérations, avec cette thématique-là. Et du coup, ben, j'espère qu'on sera en capacité de le faire, mais voilà, j'espère que si on part au Maroc, ben voilà, pendant 2 semaines, on a les jeunes Français, du coup, qui beaucoup sont issus de cet événement-là, Barbès Street Dance, qui du coup participent et sont des danseurs. Et du coup, ben, mêlé à tout l'art théâtral des Marocains, on va monter une représentation sur les violences policières et sur le racisme. Donc voilà. Merci Awa. Merci à Esprit d'Ébène. On voit bien que là, vous n'avez pas pu partir, mais depuis 2 ans, vous restez là. Et puis ça a permis aussi, tu parles de Barbès Street Dance,
ça a permis aussi de faire naître des projets finalement localement, parce que les jeunes ont tenu leurs engagements, et bravo à vous. On remercie également Mam Siafa, qui n'a pas pu venir, mais on sait tout l'investissement, le directeur de l'association, ou ancien directeur, on sait tout l'investissement qu'il a mené là pour faire aboutir ce projet comme ton investissement. Merci à vous, merci beaucoup, et bravo encore. On va passer à... Je pense qu'ils sont là, je vais vérifier le groupe de la Gavotte Perret. C'est à eux et c'est à elles. Voilà. On les attend. Il a été prévu une petite pause. Comme d'habitude, nos amis de la Gavotte, ils arrivent pile à l'heure, mais on sait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ça va aller. On va pas être méchant. Je vois Marwan là que je reconnais, qui a toujours beaucoup de choses à dire. Il passe toujours par. Voilà. Babacar, c'est à toi. Allez, Samia. Ah, on se connaît depuis quelques années maintenant. Hein. Allez, venez, venez. Venez, on va se pousser sur les sièges, là. Voilà. Ils refusent toujours de se diviser. Hein. C'est toujours tout le groupe pour rien, en fait. Merci à vous. Samia, ça va ? Alors, on est avec le centre social de la Gavotte Perret, quartier de Septem-les-Vallons. Ça fait aussi vous un sacré moment que vous vivez ce projet voisin des deux rives. Samia, tu peux peut-être nous présenter avec qui vous menez ce projet au Maroc, parce que c'est quelque chose dont on sait que les jeunes sont très très impliqués, ouais. Notamment au niveau local. Bien sûr. Alors on est le centre social de la Gavotte Perret à Septem-les-Vallons, et ça fait à peu près un an et demi qu'on a lancé ce projet voisin des deux rives. Je vais juste expliquer la structure et ensuite je laisserai les jeunes parler du projet. Devant le micro. Ah, pardon. On mène ce projet avec ASF, Association d'animateurs sans frontières. Et en parallèle, notre partenaire au Maroc, c'est la maison de jeunes de Sidi Bibi, une banlieue d'Agadir. On est toujours en lien avec eux et on persiste et je signe pour dire qu'on ira mener ce projet à Agadir. Bon, ben, merci. Pouvez-vous nous parler de votre projet, tout d'abord ? Sophia. Bonjour, je m'appelle Sophia et notre projet consistait à mener une sorte d'échange avec des migrants qui se situaient à 50 mètres à côté de notre quartier. Et avec les jeunes de Sidi Bibi, ils ont fait exactement la même chose que nous, mais au Maroc. On a essayé de s'associer pour faire les mêmes projets ensemble. Notre projet consistait à leur montrer notre culture, notre mode de vie en France, et eux nous ont montré le leur, et pourquoi, du comment ils ont quitté leur pays. On a aimé apprendre avec eux, ça nous a appris énormément de choses, et c'est pourquoi on est fiers d'avoir mené ce projet, et on continuera. C'est quoi en fait concrètement ce projet là? Vous nous parlez voisins des deux rives, mais plus précisément, qu'est-ce que vous faites ici dans ce projet? À la base, qu'est-ce qui l'a déclenché ce projet? Ce qui a déclenché ce projet, c'est d'être en face de migrants qui vivaient dans un lieu de recueil et de ne rien faire, avoir des préjugés sur eux, les regarder sans agir. Et à force de les voir, on s'est posé des questions et on est allé nous-mêmes vers eux pour les rencontrer, savoir pourquoi ils sont là, comment ils sont là et leur parcours en fait. Et d'où le nom Jeunes des Deux Rives, parce que aussi notre quartier de la Grotte Perret, il est en face d'un hôtel et il y a seulement une route qui les sépare. Ben, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que ça vous a apporté quoi de mener ce projet tous ensemble?
projet nous a apporté énormément de choses, comme ne plus juger au premier abord. D'abord, ne pas avoir de préjugés sans connaître la personne. On a évolué avec eux. Moi, ça m'a permis de plus me plaindre par rapport à leur mode de vie et leur situation familiale. De plus, ça m'a permis d'échanger avec eux, d'avoir un nouveau cercle d'amis. Et ça m'a surtout aidé à grandir mentalement, parce que j'étais quelqu'un, je me basais trop sur le physique de la personne. J'allais pas forcément directement vers lui ou autre chose. Du coup, ben, ça m'a aidé et je remercie ce projet. Et là-bas, alors, c'est qu'on parle beaucoup de ce que vous faites sur la gavotte, mais avec qui vous travaillez là-bas et quel est l'impact pour eux, quel est l'engagement qu'ils mènent, eux, là-bas, votre partenaire, au Maroc? Au Maroc, de leur côté, aussi font exactement la même chose que nous. Et ils avancent dans leur projet et mentalement aussi, avec leurs idées. Et j'espère bientôt aller au Maroc pour les rencontrer et mener à bien ce projet pour que nous rassemblions les idées et que ces idées mènent portent leurs fruits pour réussir encore mieux. En fait, c'est des jeunes. Mais c'est qui? Parce que là, tu nous dis, Sophia, que c'est des jeunes. C'est-à-dire? Mais c'est des jeunes marocaines de Sidi Bibi. Ouais. Donc c'est la, on va le dire, hein, c'est la maison des jeunes de Sidi Bibi qui est votre partenaire là-bas. C'est ça. Et quand vous dites, bah, ils font exactement la même chose que nous, c'est vrai que moi j'ai été les voir et on a vu qu'il y avait un centre d'accueil aussi de migrants. Et ils ont souhaité également avec vous bah, justement casser les préjugés autour de ce camp d'accueil de migrants. Et donc qu'est-ce que vous deviez faire ensemble justement là-bas à Sidi Bibi? On devait faire un échange culturel. On devait précisément créer une pièce de théâtre entre nous pour partager les cultures et les valeurs que nous apporte notre pays de naissance et échanger tout au long du séjour pour mieux nous apprendre. Très bien. Les suites de ce projet-là, Samia? Alors, on a pour ambition de recueillir toutes les interviews parce qu'ils ont mené ce projet sous forme d'interview en binôme. Un réfugié et une personne d'ici et là-bas aussi au Maroc, un réfugié et un Marocain. Et l'idée, c'était de partager. Les jeunes étaient les reporters de ce projet. Et courant février, il sortira un livre où on pourra voir tout. On pourra lire toutes les interviews et toutes les histoires et surtout ce que ça a pu leur apporter. Ils ont été au bout de leur objectif. Ils n'ont pas lâché malgré le fait de cette crise. Ils n'ont pas lâché. Mais je garde espoir et je tiens là aujourd'hui à leur dire, on va y aller et on va le faire. Je vous le promets. Merci. Je vais laisser la dernière question à Aboubacar, mais avant, oui, c'est vrai qu'on parle des migrants. On parle surtout de gens qui circulent, qui voyagent et qui pour beaucoup ne sont pas des migrants, ce sont des voyageurs, et pour certains ce sont des exilés. Ouais, j'avais une dernière question. Quel lien gardez-vous avec ces gens-là? Quel type de lien? Le partenaire? Ouais. On est toujours en contact. On se voit souvent par WhatsApp. Les jeunes, ils ont échangé sur les réseaux Snapchat et Insta. Et ils essayent de garder le lien. Mais ils s'y attendent. Hein. Eux, ils ont toujours espoir. Hein. Je rejoins l'association de Barbès qui disait que parfois, elle lâche prise. Mais nous, c'est pareil. Hein. Parfois, moi, personnellement, parfois, je perds espoir. Mais souvent, c'est les jeunes qui nous rattrapent et qui nous disent, alors, on fait quoi? On y va? Ces vacances, est-ce qu'on peut essayer d'échanger? Voilà. Mais on continue. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Et on attend la publication de ce livre. Merci. Par contre, je tiens à remercier tous les jeunes de Jeunes des Deux Rives, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. On va maintenant retourner à Paris.
On est toujours dans l'aller-retour Paris-Marseille avec les jeunes de Gentilly et le groupe de Djemila. J'essaie de les voir là, on est un peu aveuglés. Mais voilà Djemila. Je pense qu'on peut aussi les applaudir parce que c'est un exercice, on le voit bien là, qui est avec certaines appréhensions. Donc vous êtes deux. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on est avec le Club Espoir de Gentilly. Vous êtes sur un projet que vous avez mené. Alors vous avez pu partir, juste avant que les frontières ne ferment. Je crois que vous êtes un des derniers groupes qui a pu partir. Vous êtes parti à Youssoufia, à une heure de Marrakech, pour travailler avec l'association Aïchin et monter un très beau spectacle qu'on diffusera bientôt. Je laisse Babacar. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter votre association Alors très rapidement, donc moi je suis Djemila, donc éducatrice en prévention spécialisée, ce qu'on appelle éduc de rue, donc sur la ville de Gentilly, qui est dans la banlieue sud de Paris, donc dans le Val-de-Marne, limitrophe à Paris 13e. Et donc je travaille pour Espoir Gentilly. Bonsoir à tous. Du coup, moi je m'appelle Ashna, je fais partie d'Espoir. Comme vous avez vu aujourd'hui, je suis toute seule comme jeune, parce que malheureusement, ceux qui étaient avec nous pour le projet n'ont pas pu venir aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Et voilà. C'est un groupe juste. En fait, on est parti avec un groupe de 5 jeunes, donc 2 qui sont scolarisés et 2 autres donc, qui travaillent aujourd'hui, depuis leur retour. D'accord, très bien. Et vous pouvez nous en dire plus sur vos projets ? Vous pouvez nous parler de votre projet, de comment vous le menez ? Alors du coup, nous, on a fait un projet théâtre avec les jeunes de Youssoufia sur la discrimination. Et ça a été vraiment intense les 2 semaines, parce que pendant ces 2 semaines, on a parlé avec les Marocains. Ça n'a pas été facile aussi avec la langue. Mais au fur et à mesure du temps, on a pu voir que, en fait, il y avait beaucoup de... C'était pareil, en fait, la discrimination en France et au Maroc. Donc, du coup, notre pièce de théâtre, c'était la discrimination sur l'école, le social et en famille. Voilà. Ok, très bien. Et je voulais savoir quelles ont été vos motivations, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce projet en particulier ? Ce qui nous a poussé à faire ce projet, c'est que déjà... j'avais jamais fait de projet solidaire auparavant. Donc du coup, l'association Espoir m'en a parlé. Et justement, avec tous les arguments qu'ils ont eus et le projet Jeunes des Deux Rives, c'est ce qui nous a poussé à vouloir faire ce projet. Alors moi, j'ai eu la chance de le voir, ce spectacle, puisque j'étais à Agadir lorsque vous l'avez projeté, lorsque vous l'avez réalisé. Ce qui m'avait vraiment marqué, bon, c'est vrai que tu l'as dit, c'était, c'est pas la discrimination, vous avez traité toutes les discriminations. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'était un projet où on sentait que ces sujets-là concernaient absolument tout le monde. Ce qui fait que autant les Français que les Marocains étaient complètement investis, impliqués, et qui parlaient vraiment de sujets qu'ils avaient à cœur et qui finalement... était en lien, quoi. Comment vous l'avez vécu, cet échange, ce travail de collaboration, de co-construction avec vos amis marocains? Et puis, comment on fait, justement, sur un spectacle comme ça, qui était en français et en arabe, il me semble? C'est ça. Bah, au début, c'était pas facile, parce que eux, ils parlent arabe et nous, on parle français. Il y avait un éducateur de là-bas qui parlait... arabe et français, qui a pu faire les traductions quand on comprenait pas et quand eux ils ne comprenaient pas. Et voilà, du coup, ça a été pas facile du tout, mais au final on a réussi à mélanger leur langue et notre langue pour que tout le monde puisse comprendre. Même il y a eu aussi de la danse, parce qu'on a un danseur dans notre groupe,
Et ça lui tenait vraiment à cœur de pouvoir danser et de montrer aussi la discrimination en dansant. Juste pour rajouter peut-être, quand on a préparé, en fait, donc on était très en lien, donc les jeunes étaient impliqués, ils avaient déjà fait des visios avant de partir aussi. Et on avait quand même une question, parce que c'est vrai que la visio tout à l'heure, il y a quelqu'un qui le disait, ça met un peu de distance parfois, et on se disait, mais donc là ils nous disent oui, mais est-ce que vraiment on entend la discrimination, est-ce qu'on vraiment cette sémantique, ça parle vraiment, on met la même chose derrière. Donc dans un premier temps, on s'est présenté parce qu'on a aussi fait une exposition photo pour présenter nos territoires et on a fait aussi des photos là-bas et ça a donné une exposition par rapport à la présentation des territoires avec le regard des jeunes. Et de là, on a pu travailler justement, donc on a mis à plat tout ce qu'on pouvait entendre, donc on a évoqué des situations de discrimination et c'est de là que sont ressortis les trois tableaux qu'on a pu travailler sur la pièce. On a vraiment hâte de pouvoir la voir. Hein. Je crois que le film est prêt et on va pouvoir bientôt le diffuser sur le média J2R. Alors moi j'avais une dernière question. Alors c'est intéressant cette interaction franco-maghrébine et je voulais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté ce projet. Est-ce que vous gardez encore des liens avec ces personnes-là? Quel type de lien avez-vous avec On parle toujours avec les Marocains sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp. Ce que je garde, c'est que en fait, que ça soit ici en France ou au Maroc, en fait, la discrimination, elle est pareille partout. Et c'est ça qui m'a marqué. Je pensais qu'il y avait vraiment une différence, mais en fait, on est tous pareils. Et ça vous a apporté quoi ce projet? Les bienfaits peut-être? Qu'est-ce que ça m'a... ça m'a apporté beaucoup d'émotions. En fait, c'était des sensations fortes, c'était des journées longues. Mais en fait, on a persévéré, on a continué. Et voilà, j'espère que si j'ai l'occasion de refaire un projet comme celui-là, je le referai avec plaisir. Eh ben, merci à vous. Merci. Et on vous souhaite une bonne continuité. On souhaite aussi que... Merci. On espère vraiment que la pièce, elle pourra être jouée maintenant en France. On va s'en servir comme outil pédagogique. Voilà. Mais bravo. Merci. Alors, on va continuer. J'ai des interlocuteurs qui me regardent en ligne et qui me disent d'arrêter de regarder ce portable. Et en même temps, on attend toujours du monde qui arrive. Donc, on a des amis qui viennent d'arriver en gare, là. Donc, on attend qu'ils arrivent, puisqu'ils devaient témoigner également. Je vais regarder un peu la Soli, s'ils sont prêts à monter. On va voir. Allez. Mais en même temps, on va forcer personne. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien vous voir. Vous avez été les premiers à initier des projets de solidarité dans cette phase de J2R, comme l'association Enras. On avait mené 5 chantiers en 2019 avec la Ligue, avec Enras, avec Migration et Développement au Maroc. Les voilà. Voilà, merci beaucoup. Venez. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc, on est avec les amis du Centre Social de la Solidarité, quartier de la Solidarité à Marseille. Vous êtes parti il y a 2 ans. Il y a trop de soleil. Ouais. On va s'y faire. Il y en a un petit peu moins que là où vous étiez au Maroc, il me semble, quand même. Vous êtes parti il y a 2 ans? Ouais, c'est ça. Vous étiez où, alors? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre projet? On était à Tiznit et on est parti faire une cinémathèque, parce que dans leur ville, il n'y en avait pas. Et ça, c'était justement avec l'association de Hamza, là, dont il nous parlait, le centre cinématographique de Tiznit. Combien de temps vous êtes parti? Parce que déjà, vous êtes tous partis, là, il me semble. Hein? Non, moi, je suis pas parti. Toi, t'es pas parti? 10 jours, on est parti. Okay. Et vous avez fait quoi, concrètement? C'était quoi, le programme, pendant cette semaine? C'était une semaine. On a fait que du chantier. Après, ouais, le reste, on a dégusté. Vous étiez avec des Marocains? Ouais. Et vous faisiez quoi avec eux? De quoi vous parliez? C'est quoi, en fait, un échange, en fait, quand on se retrouve avec...
un autre groupe de jeunes comme ça où on vit pendant 10 jours. J'ai rien compris. Vous faisiez quoi concrètement? Ça t'a apporté quoi de rencontrer ces Marocains? Des nouvelles rencontres, il y avait... Je sais pas, ils faisaient rire. Ils avaient tout, ouais. Et vous les faisiez rire un peu? Hein? Vous les faisiez rire un peu? Ouais. Bon. Et alors, toi, t'es pas parti, par exemple? Moi, je suis parti, mais il y a 4-5 ans, à peu près. Et alors, c'était où? Moi, j'étais au Maroc. Et vous aviez fait quoi comme projet? On avait fait une rénovation de... pour les vieux, là. Ah, à l'arrache? Ouais, c'est ça. Voilà. Le centre pour les personnes, pour les anciens, en fait. Ouais, c'est eux qui n'avaient pas de famille et tout. Voilà. Et alors, on vous voit, vous êtes toujours là? Où? Ici, là. Vous êtes toujours engagé, vous êtes toujours avec nous, là, dans Jeunes des Deux Rives, toujours au sein de la solidarité. Et ouais, nous, on aime bien aider les autres et tout, faire des voyages. Ça, on fait sortir du quartier et tout. C'est ça qui est bien. Et voilà, hein. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'aider les autres? Parce que c'est vrai qu'il y a le voyage, il y a le rire, il y a l'échange, mais il y a la question de la solidarité. C'est un mot qui vous parle en plus. Après, c'est en fait, les voyages comme ça, c'est bien dans le sens où on sort de notre zone de confort. On voit à peu près des autres réalités, la chance qu'on a et tout. Il y en a, par exemple, moi, quand je suis allé, les vieux, ils n'avaient pas de famille et tout. Ça veut dire que quand ils nous voyaient, ils étaient contents, ils nous faisaient des gâteaux, ils étaient toujours avec nous. Et moi, je me rappelle d'un film, une petite vidéo que vous avez faite sur le cinéma. Moi ? Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que vous... Il y avait quelque chose dont je me souviens très bien, c'est que vous étiez finalement très surpris. Vous disiez, chez nous, le cinéma, c'est quelque chose de banal, et on voit toute l'importance que ça a ici, parce que les jeunes ici n'ont pas de cinéma. Mais le micro. Ouais... Eux, ils n'ont pas de cinéma là-bas. Ça veut dire qu'ils ne savaient même pas c'était quoi un film. Et voilà. Quand vous, c'était banal, en fait. Ouais. Toujours rien chez nos amis, là? Maintenant, je parle arabe, maintenant. Tu as appris l'arabe en 10 jours? Ouais, en 10 jours, j'ai appris l'arabe. En 10 jours, tu es devenu bilingue? Voilà. Ah, voilà. On peut vraiment recommander à tous de participer à des chantiers de solidarité, parce que vous apprenez une langue en 10 jours. Voilà. Là, certains, il faut 10 ans d'études. En 10 jours, on devient bilingue. Ben, merci à vous. On va pas plus vous... C'est bon, alors. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, on va... Je vois que tout le monde commence à arriver. On va voir si le groupe... De Kléber, de la Maison pour tous, est là. Ils ne sont pas encore arrivés, ils doivent être coincés dans les bouchons. Eh bien, écoute, on va passer à Mandiouket, Yacine et Sonia. Alors là, Sonia. Ah ouais? Et Yacine, qui avait participé, ça va faire le lien, puisque j'essaye de le voir, Yacine Chalal, qui avait participé à ce projet, à la solidarité. Bon, il n'est pas là, il a dû sortir avec son groupe. Mais on va appeler Sonia, qui va pouvoir aussi nous raconter ce qu'elle a fait, et puis, puisque ça crée dans le lien aux jeunes. Alors Sonia, toi, tu es animatrice au centre social des Musardis à Marseille. Comme beaucoup, vous n'avez pas pu partir, vous avez déjà aussi mené des chantiers de solidarité en Tunisie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez fait, depuis combien d'années au centre avec les jeunes? Alors même si vous n'êtes pas parti, ça fait on se connaît depuis plusieurs mois maintenant, hein, chaque fois on se voit, donc ça veut dire que ces questions de solidarité elles vous tiennent quand même. Sonia, tu peux nous raconter un peu vos expériences? Alors, moi, je vais vous donner juste quelques mots par rapport au dernier projet que j'ai fait avec les jeunes. Malheureusement, ils ne sont pas là. Donc, en fait, c'était en Tunisie. Le projet, il est né, en fait, sur Marseille. Donc, en fait, on a, pendant plusieurs mois, tous les week-ends, on faisait des stages de danse, surtout autour du crump. Donc, c'était une danse qui était autour des violences policières, etc. C'était une danse que les jeunes ne connaissaient pas forcément.
Donc ils ont découvert d'où ça venait, pourquoi, dans quelles conditions en Amérique ça se passait. Et donc en fait, après avoir appris le crump, donc c'était au Théâtre de la Cité, donc dans les quartiers sud de Marseille. Et donc du coup, nous on venait du 15e, donc des quartiers nord, et ça a permis aux jeunes déjà de se déplacer vers ce théâtre, donc le Théâtre de la Cité, qui faisait aussi des choses autour de la danse. Et ils ont appris aussi à connaître d'autres danses, mais vraiment plus sur le crump. Et en fait, ils ont appris beaucoup de choses à travers ces danses, notamment la discrimination, les violences policières, etc. La migration aussi. Et du coup, c'est de là où est né le projet. Les jeunes avaient cette envie de partager ce projet avec d'autres jeunes. Donc ça s'est passé en Tunisie, à Rimmel. Et du coup, c'était un groupe de jeunes qui était très varié. Donc, ça allait de 15 ans à 22 ans environ. Et du coup, il y avait des filles, des garçons. C'était vraiment un groupe mixte. Et ça leur a permis de se connaître parce qu'ils ne se connaissaient pas tous, malgré qu'ils habitaient le même quartier, le même arrondissement. Et ça, c'était un peu la même chose aussi du côté des Marocains. Donc, en fait, ils ont appris à se connaître malgré les différences d'âge. Différence de sexe aussi. Et en fait, on a continué justement ce projet autour de la danse. Donc au Maroc, on avait des ateliers autour de la danse où on travaillait sur des tableaux artistiques autour de la danse. Et on a aussi pris la chance de ce séjour pour permettre aussi aux jeunes d'échanger sur des sujets d'actualité. Comme le vote, la migration, les droits de l'homme, les droits de la femme, etc. Ça leur a permis de voir vraiment dans quelles conditions eux vivent et dans quelles conditions les jeunes Français vivent et quelle est la différence. Ils ont justement pris cette chance-là pour bien comprendre qu'ils avaient aussi eux des chances sur leur pays, par exemple la chance de voter, qui n'est pas forcément celle en Tunisie. Et ça voilà, l'est aujourd'hui. Et ça l'est aujourd'hui. Voilà, ça l'est aujourd'hui. Et ça permet aussi de... Aujourd'hui, c'est encore en contact avec eux. Un peu moins qu'au début, parce que c'est un projet qui s'est fait en août 2019, si je ne me trompe pas. C'était les premiers projets de J2R avant qu'on... Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ils sont encore en contact sur les réseaux sociaux. Tout le monde a grandi parce que justement, les différences d'âge ont fait qu'il y en a qui ont trouvé un travail, qui ont repris leur vie active, etc. Donc, il y en a où on n'a pas trop de nouvelles non plus. Et voilà, aujourd'hui, je suis accompagnée de jeunes qui sont sur un projet sur le Maroc. D'accord, okay. Alors, vas-y. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet, de concrétiser ce projet? C'est quoi queles ont été les raisons pour vous n'êtes pas parti, mais vous voulez partir, c'est ça? Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet déjà? Parler de ses débuts, tout ça. Pour faire des jardins partagés avec les Marocains là-bas. Du coup, partager les connaissances autour du jardinage et tout ça, pour savoir eux comment ils font et nous comment on fait ici. Et voilà. Et il y a aussi... On devait planter des arbres et tout, des potagers, pour qu'ils vivent avec ça à la cantine et tout, à l'école. Pourquoi ça vous tient comme ça? Parce que t'as pas pu partir, toi. Pour aider les enfants. Hein. Ouais. Et donc ça te tient toujours? Ouais, vite fait, ouais. Vite fait? Ouais. Mais t'es toujours là, pourtant. Mmh. C'est quoi, comment ça se vit sur le au Musardis, par exemple? Toi, t'es animatrice... Tu fais plein de choses au centre social. Comment vous faites le lien? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, ces logiques-là, ces projets-là de solidarité internationale? Qu'est-ce que ça apporte dans votre quotidien au Musardis, ce type de projet-là? Qu'est-ce que ça fait de voyager et de revenir et de, finalement d'être toujours entre les deux? De montrer notre quotidien. Parce qu'on a un jardin partagé, ça fait pratiquement 6 ans maintenant. Et on fait profiter les gens du quartier. Donc là, en fait, vous gérez un jardin partagé au centre social, au Musardis, et c'est le projet que vous avez développé avec vos amis tunisiens, quoi. Oui, en fait, il est un peu éloigné du centre social.
Et c'est un jardin partagé sur lequel tous les habitants, tous les jeunes, âges confondus, participent à ce jardin partagé. Du coup, ça permet de faire vivre aussi l'intergénérationnel dans le quartier. Et puis les jeunes, ils ont la main maintenant. Hein, on leur explique quasiment pas les techniques du jardinage. Ils sont calés sur les techniques pour évoluer autour du développement durable, etc. Donc en fait, ça leur permet à eux de montrer ce qu'ils ont appris à faire dans leur quartier et vice versa. Et voilà. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Sonia. Merci à vous. Merci, merci. On va. C'est léger. Alors là. On va traverser la Méditerranée là et accueillir nos copains de la Tunisie. Je ne vois pas toute l'équipe là parce que j'ai le soleil dans les yeux. Je vois au moins Abdelhamid qui va lâcher sa caméra. Si Rouloud ou Ilyes sont là, mais je ne les ai pas vus. Donc on va appeler. Voilà Ilyes. Je ne sais pas si tu es seul, si Rouloud est là, mais Abdelhamid aussi. N'hésite pas à venir puisque. Et voilà Rouloud. Merci. Bon, là, on sort un yo, peu yo, de. Yo, yo, yo! Salut, salut, salut tout le monde! Voilà. Donc, vous avez l'autorisation exceptionnelle de baisser vos masques. Donc, J2R, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement des gens du Maroc ou des Tunisiens qui accueillent des gens de France, des jeunes de France. C'est aussi toute une dynamique de jeunes et de jeunesse qui se crée là-bas, puisque on accompagne dans ce programme Jeunes des Deux Rives près d'une vingtaine d'associations de jeunes, ce qui représente environ 200 à 300 jeunes. Est-ce que vous pouvez, Ilyes, vous présenter tous les trois et nous dire un peu ce que vous faites dans Jeunes des Deux Rives en Tunisie et surtout ce que ça apporte aussi aux jeunes tunisiennes et tunisiens de vivre ces expériences-là? Merci beaucoup, Jérémy. Et merci pour tous les jeunes qui sont là. Alors, déjà. Pour le partage. J'ai un peu de mal à t'entendre parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'émission et la concentration est en baisse. Et les amis là, on fait plus de 3000 km pour venir nous voir. Je sais qu'ils sont à la fin de leur séjour, ils sont un peu fatigués, mais. Bonsoir Marseille, est-ce que vous êtes là? Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour les présentations, merci pour le partage de votre expérience. Je suis Elias Gaidi, le directeur de Solidarité Laïque Méditerranée. Je suis accompagné par mes collègues qui sont ici, Rouloud Hamdi, coordinatrice éducation, Abdelhamid Gmeri, qui est notre vidéaste, réalisateur, et parmi nous aussi, Rabia, notre camarade FTCR, et Chloé Daniel. En tout cas, là, peut-être rapidement, je partage avec vous notre expérience en Tunisie. Hein. À la base, j'étais parmi les jeunes aussi, les animateurs de J2R. Et on a organisé un jour un chantier de solidarité internationale avec le centre Solidarité. Et c'était en 2018. Il y avait une très belle dynamique. Et depuis, en Tunisie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, tout le travail avec les jeunes, c'est un peu contagieux. Donc, on était un jour un petit groupe d'associations qui couvre pratiquement toutes les régions de la Tunisie. Là, on dépasse. Une vingtaine d'associations, de structures qui partagent avec vous les mêmes valeurs, qui souhaitent travailler sur plusieurs thématiques qui vous intéressent. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas pu organiser durant cette phase de J2R des chantiers en Tunisie, vu le contexte pandémique. Mais nos associations seront toujours très motivées à vous accueillir, à bâtir avec vous des projets qui pourront un jour créer un changement. En fait, pour le moment, il y a un travail, certainement, il y a une dynamique, à travers notamment la composante audiovisuelle et les techniques de mobile journalism, qui est une technique qui donne aux jeunes, malgré qu'on n'a pas la capacité d'avoir des caméras très professionnelles comme celle-là, d'utiliser nos smartphones pour produire des choses qui concerne notre quartier, notre territoire, et qu'on le partage avec d'autres jeunes, et notamment l'occasion d'avoir un média J2R, justement, pour se connecter entre les jeunes des deux rives. Donc ça, on le garde comme une bonne pratique,
Et je pense que les jeunes tunisiens, qui dépassent 300 jeunes justement de la dynamique, ils ont pu développer ces compétences et ils souhaitent partager avec vous certainement plusieurs projets. Merci Ilyes. Alors tu dis que vous n'avez pas pu accueillir de chantier puisque la Tunisie a été fermée au chantier de solidarité internationale. Mais je me tourne vers Couloud. Vous n'êtes pas resté inactif pour répondre aux demandes des jeunes et vous organisez désormais des chantiers nationaux de solidarité entre les associations. Rouleau, tu peux te présenter. Vous savez que derrière les projets, il y a des coordinateurs, il y a des animateurs pour faire le lien entre ces différents groupes, pour accompagner chacun des groupes sur les territoires. On a entendu parler de ces discussions WhatsApp, ces Facebook, ces Zoom. Derrière, il y a aussi toute une équipe. Il y a Mandioquette qui est avec nous. Pour l'Île-de-France. Rouloud, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces chantiers nationaux ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans cette belle soirée. Je suis Rouloud Hamdi, la coordinatrice éducation à Solidarité laïque Méditerranée. Exactement, Jérémy, on a travaillé durant la période de fermeture des frontières dans le territoire tunisien, avec les associations locales. Il y a eu des formations pour les jeunes et aussi pour les éducateurs afin de les sensibiliser sur des thématiques qui les intéressent, afin d'organiser dans des régions des chantiers de solidarité nationaux pour travailler le tourisme alternatif, pour travailler par exemple, on a travaillé à Zamour, un chantier national qui a réuni plus qu'une quinzaine d'associations qui a participé dans l'amélioration de la dynamique régionale dans une région au sud tunisien. Et aussi, il y a eu des formations en théâtre forum. C'est très intéressant en tout cas. Toutes ces formations, sensibilisations, ces chantiers nationaux ont permis de maintenir la dynamique même durant la fermeture des frontières et des chantiers internationaux. On a pu maintenir aussi la dynamique en ligne. Les jeunes organisent entre eux des échanges en ligne et ils partagent des idées afin d'organiser cet été ou durant les vacances du printemps des chantiers dans notre territoire. Et merci Rouleau. Merci. Abdou, toi tu es réalisateur audiovisuel, responsable de l'audiovisuel à Solidarité Laïque Méditerranée, et toi tu formes ces jeunes aux usages audiovisuels dont nous parlait Ilyes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vis avec ces jeunes en audiovisuel et l'enthousiasme qu'il y a autour de cet outil-là? Exactement. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Depuis un an déjà, on a lancé un parcours de renforcement de capacité pour les éducateurs et les jeunes dans le mobile journalisme. Le technique mobile journalism, comment faire une vidéo avec son téléphone, comment passer l'information avec son téléphone, avec les techniques sans lumière, cadrage. On a passé le cap avec les éducateurs au premier niveau. Après, on a fait le parcours de renforcement de capacité avec les jeunes, on a fait l'accompagnement et on a commencé après à faire quelques productions avec les jeunes. Il y a des jeunes qui ont fait des courts-métrages, des films, des clips de rap. On a une association qui a fait tout un film, tout un clip de rap avec le téléphone, avec le smartphone. Et après, on a lancé les dispositifs et les jeunes avec le mobile journalisme, avec le téléphone qui est un outil aujourd'hui simple et efficace pour qu'on puisse passer de la consommation à la production. C'est ça le plus important. Merci Abdou. De rien. Bien, merci à vous. Bravo également. Un Agnès, dernier dédicace s'il te plaît Jérémy. Allez vas-y. Je me permets de souhaiter joyeux anniversaire à Rouloud. Aujourd'hui c'est son anniversaire.
Donc, bon anniversaire. Et merci encore une fois pour le partage et au plaisir de vous voir en Tunisie. Il y a plein de choses à faire. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci, Elias. Merci. Alors, l'émission commence à toucher à sa fin. J'avais Mandiouquette qui était avec nous. Mandiouquette, toi, tu es animateur territorial Île-de-France à Solidarité Laïque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle en 3 minutes, hein, même 2 minutes, mais on sait que tu es un champion d'éloquence. Et puis nous dire, toi, comment tu vis ce travail-là, qu'est-ce que tu observes là en Île-de-France avec ces jeunes que tu accompagnes? Ok, alors, 2 minutes. Je vais même faire 1 minute. Vas-y. En plus court. Non, je plaisante. Bonjour à tous, donc Mandiouquette Ndiaye de Solidarité Laïque Île-de-France. Je vois Jérémy qui met le compteur, donc j'ai la pression maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que l'avantage qu'on a en Île-de-France, c'est qu'on est une dizaine de structures, donc c'est assez petit, même si c'est dense, et j'ai l'impression qu'on travaille un peu en famille, en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'on a une famille avec une maison, et des fois, des cousins, ils viennent, des fois, ils viennent plus souvent, des fois, c'est nous qui allons les voir, parce que y a des dossiers à rendre, donc voilà. Les rires que vous entendez, c'est les éducateurs, en fait, ils savent de quoi je parle. Voilà, il y a la famille qui vient, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de chantiers. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des structures qui sont dynamiques, qui travaillent sur plein de projets. Des fois, c'est des projets de construction, des fois, c'est des projets culturels. En tout cas, beaucoup de monde de motivé. Ben, merci. Et comment ça se passe? Comment tu vois l'impact, l'effet pour les jeunes, avec les jeunes, mais ici, mais aussi là-bas, parce que tu te déplaces entre les deux pays aussi pour faire le lien entre ces jeunes. Ce que je vois, au final, j'ai l'impression qu'on a plusieurs jeunesses et en même temps qu'on a une seule jeunesse. On voit des jeunes qui habitent dans des quartiers différents, dans des lieux de résidence qui sont différents, qui sont touchés par des problématiques qui sont différentes, qui voient des enjeux qui sont différents, mais en même temps qui vont trouver des thématiques qui vont les rassembler, et ça des deux côtés au final. Pour prendre le cas de l'équipe de Art Équipe d'Amitié qui est juste à côté, on a des jeunes de Paris qui s'identifient comme étant pour certains des jeunes de quartier, qui sont allés rencontrer des jeunes dans les montagnes du Maroc, dans le Sousmassa, donc des montagnes où il fait très froid en hiver et très chaud en été, et donc peut-être des jeunes que peut-être tout oppose. Et au final, tout les a rassemblés. Ils ont trouvé des points communs, mais je parle également de l'association Gentilly qui a fait quasiment la même chose avec des jeunes qui se sentent d'un quartier enclavé d'une petite ville d'Île-de-France, qui sont allés voir des jeunes d'une grande ville du Maroc. Finalement, ces jeunes se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas si éloignés que ça. Et ils ont même eu l'impression qu'ils partageaient les mêmes problématiques. Merci Mandiouquette, merci pour ce témoignage. Avant qu'on accueille notre dernière intervenante, un petit mot, Joël, je t'en prie. Un petit mot, puisqu'on a avec nous Babacar et Samy, qu'on fait un exercice difficile, c'est d'animer, de poser des questions au pied levé à tous nos intervenants. Pour ça, je t'en prie Joël. Samy, Babacar, vous êtes Kaina TV, vous n'êtes pas seulement un prestataire, hein, vous êtes qu'assurer la réalisation technique, mais... c'est l'association Kaina TV qui est très impliquée également dans ce programme depuis ses débuts. Hein. Je regarde le directeur qui est à la caméra, là. Ça fait quelques années que vous participez à ce projet-là. Kaina, c'est une promotion chaque année. Vous êtes tous en service civique et toutes en service civique à Kaina TV, à Montpellier, là, à la Paillade. Il y avait une promotion qui aurait dû partir l'été dernier, mener des reportages avec une équipe de reporters marocains et tunisiens, de jeunes reporters citoyens. Vous êtes arrivé en septembre, donc c'est nouveau pour vous. Vous n'avez pas vécu tout ce qui s'est passé l'année dernière, mais qu'est-ce que ça vous donne envie de construire avec le Maroc, avec la Tunisie, quand vous entendez tous ces jeunes là et ces éducateurs nous parler de leurs expériences? Quelle envie ça vous donne? Ça, c'était pas prévu, hein, ouais. que les questions se retournent contre ouais. vous, mais... Non, mais heureusement, j'ai eu le temps d'y préparer mentalement, heureusement. Non, déjà, tous ces exemples d'associations qui agissent partout dans le Maghreb ou soit dans le monde entier, c'est un message porteur d'espoir parce que, comme dit mon collègue,
On peut être jeune, mais on peut être aussi compréhensif envers ceux qui sont les plus démunis. C'est un beau message porté à la jeunesse du monde. Donc moi, je serais très fier d'apporter aussi ma touche à cette pauvreté, parce que moi, je suis originaire du Maroc, donc la pauvreté, je la vois aussi là-bas. C'est quelque chose qui me touche profondément, même si ici, en France, on est également touché par la pauvreté. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'avec Aïna, on a pour projet peut-être d'aller au Maroc, projet qui ne s'est pas réalisé dû au contexte sanitaire qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc moi, si en tout cas on a un projet qui peut se faire au Maroc ou au Maghreb ou partout dans le monde, moi j'irai avec plaisir, parce que moi franchement, comme beaucoup ici, je viens d'un milieu assez pauvre. Dieu merci, heureusement, j'ai eu des parents qui m'ont aidé, on a réussi à franchir les piliers de la précarité. Voilà, je suis pas à plaindre, Dieu merci. Je sais qu'il y en a qui sont dans la difficulté. Je pense aujourd'hui, voilà, donc il faut aider toutes ces personnes. Et comme je le redis encore une fois, si on peut aider des personnes, il faut pas s'en priver. Et en aidant ces personnes, voilà, seront heureuses et aideront encore d'autres personnes. Merci, Samy. Babacar, les derniers mots de Kaïna TV. Moi, je vais la faire un peu plus courte. Tout d'abord, moi, l'humanitaire et la solidarité, c'est un sujet qui me sensibilise. Moi, il faut savoir que j'organise pas mal de maraudes sur Montpellier avec une partenaire à moi. Mais ouais, je trouve ça très important d'aider les plus démunis. Moi, comme Samy, on a vécu ensemble. Je viens d'un milieu assez pauvre, on va dire. On n'a pas tout le temps été dans la facilité, on n'a pas tout le temps eu tout ce qu'on voulait. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me sensibilise. Moi, j'aime beaucoup aider les gens par bonté, et je trouve ça important d'aider les personnes les plus démunies. Voilà, ça fait toujours plaisir, en tout cas. Ça doit rassurer. Et en même temps, vous parlez de vos milieux, mais je voudrais vous dire qu'on sent énormément de richesse en vous. Ah, merci. Merci beaucoup. on va passer... merci, messieurs. Merci. Il nous reste 4 minutes. On va laisser la parole à notre dernière intervenante, Joël Bordet. Alors... Vous ne l'avez pas encore connue. Pourtant, il faut que vous sachiez qu'elle vous connaît toutes et tous. Parce que dans ce programme Jeunes des Deux Rives, on veut vraiment valoriser tout ce que vous faites et donner l'image la plus fidèle de ce que vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous dites. On parlait de vos richesses. Vos richesses, elles sont immenses. On le voit à travers vos engagements. Et on a à cœur de faire parler de tout ce que vous faites et surtout de le rendre légitime. Alors c'est pour ça qu'on s'associe à des chercheurs et des chercheuses. Et on a le privilège et la chance d'avoir Joël avec nous dans ce projet. Je vais te laisser te présenter et puis dire un peu toi, comment tu vois un peu tout ce qu'ils font, comment tu l'analyses, sachant que le chef de la technique nous laisse encore 4 minutes. Bon, d'abord merci, c'est moi qui ai de la chance d'être avec vous. Parce que depuis que j'ai rencontré J2R, j'ai rencontré aussi toute une dynamique, une équipe. Et puis, je ne connais pas tous les jeunes, ça, ce n'est pas vrai. Mais je connais quand même pas mal d'animateurs, d'éducateurs qui se sont mis au travail, même avant le Covid. Ça avait commencé bien avant le Covid, puisqu'on est quand même... Avec nous depuis 2017. Depuis 2017. Donc, des projets, tout ça, il y en a eu. Et je ne parlerai pas longtemps. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là. Parce que dans ces temps, déjà se retrouver ensemble, ça fait du bien, c'est nécessaire, on en a besoin. Et il y a deux choses que je voudrais dire. C'est un, que la façon dont J2R traverse le Covid, chapeau quoi. Chapeau, parce que c'est difficile. C'est difficile de ne pas se replier. C'est difficile de ne pas renoncer. C'est difficile tout le temps. Et on le voit partout dans les quartiers populaires. Enfin, il y a plein de gens d'ici qui le connaissent très bien. Et je pense que l'effort qu'il y a d'être ensemble, rien que de se retrouver comme ça, c'est déjà énorme. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses... Et je trouve quand même
que dans J2R, en fait, il y a eu des inventions à travers le Covid. Et c'est ça que je voulais saluer. C'est-à-dire que ça n'a pas été une période où, en fait, on n'a rien fait. C'est l'inverse. On a inventé des choses. Et ce que vous avez inventé avec toute cette façon de communiquer avec le virtuel, quand même, ces émissions communes sur la question du regard de l'autre, vous avez tout le temps inventé des communications. Vous n'avez pas pu bouger, personne ne pouvait bouger d'ailleurs, mais en fait vous avez bougé dans votre tête et je pense que ça, ça fait bouger le programme. Parce que peut-être que c'est une chance aussi de ne pas être allé bizarrement, facilement bouger, parce que là on a été obligé de bouger autrement. Donc ça c'est une chose très importante qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'on n'oubliera pas dans la valorisation du programme de J2R. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que je suis allée en Tunisie et merci beaucoup à l'équipe tunisienne parce que franchement c'est un vrai bonheur. Et ce que j'ai vu aussi, parce que j'ai plus vu la Tunisie bizarrement qu'en France pour le moment, c'est comment aussi le travail local, c'est J2R. Quand ils m'ont emmené dans la journée des migrants, voir le travail de Théâtre Forum qui avait été sur le Grand Tunis, et ben voilà, ça c'est une initiative qui est complètement dans l'histoire de J2R. Parce que la question des migrants, elle est quand même au cœur de J2R, quoi. De quelle solidarité parlons-nous ? Donc je veux dire que cette question aussi d'avoir transformé le programme en n'étant pas effectivement tout de suite dans les chantiers, mais dans le fait de pouvoir localement faire des choses qui ont du sens sur la circulation, sur les jeunes, sur la solidarité. Puis il y a la troisième chose, hein, c'est que quand même, moi, ce que, alors j'ai effectivement, je suis militante des CMEA, je salue les CMEA aussi qui sont là, qui vont aussi travailler avec vous. Je suis aussi militante de la Ligue des droits de l'homme, et mon boulot, c'est effectivement, et j'aime mon boulot, c'est d'être psychosociologue dans les quartiers populaires. Donc c'est vrai que cette question-là de la solidarité, quand même le thème de J2R, c'est les solidarités. Et pendant tout le Covid, là, avec des collègues, on a repéré beaucoup ce qui s'est passé pendant le Covid. Et on va sortir un bouquin l'année prochaine qui va s'appeler « Résistance active pendant le Covid ». Parce qu'en fait, sur la solidarité, sur les solidarités, il s'est inventé plein de choses. Parce que comme ça a été une période où les institutions elles étaient plus loin, eh bien, en fait, les solidarités, elles ont été complètement à l'œuvre. Par contre, ouvrir les solidarités aux citoyennetés et en faire de la citoyenneté, ben, on a du boulot. On a du boulot parce qu'on ne peut pas dire que le climat dans lequel on est pousse énormément aux citoyennetés démocratiques. Donc c'est là qu'il y a un vrai défi pour J2R. Mais je vous fais confiance pour faire les passages et puis trouver effectivement les ouvertures vers aussi les questions de la démocratie. Voilà. Merci. Merci Joël. Merci beaucoup. Akli, il est 20h01. On remercie à toutes celles et ceux qui ont suivi notre programme. Un dernier mot pour dire que, comme tu l'as dit, Joël, aujourd'hui, on a eu de vraies difficultés de circulation. Aujourd'hui, c'est la France. Mais on aura le même type d'émission avec tous les jeunes qui sont avec nous au Maroc, mais également en Tunisie. Je regarde les amis du Maroc, je regarde les amis de Tunisie. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission J2R, cette fois en Tunisie. Je regarde Abdou et Ilyes avec tous les jeunes tunisiennes et tunisiens. Et je regarde nos amis marocaines et marocains qui m'ont confirmé également qu'ils organiseraient ce type d'émission. Un grand merci à vous, chers amis, chers camarades. Bravo pour votre engagement, bravo pour votre ténacité et bravo pour tout ce que vous faites. C'est léger. Et un dernier merci à Babacar, merci, à Samy, qui était avec nous dans un exercice pas facile. Surtout qu'avec moi, généralement, ça peut être compliqué de prendre la parole. Vous l'avez fait et vous êtes mobilisé au pied levé. Merci. Merci et bravo. À toi, Jérémy. Et merci à vous. Merci. Merci, merci, merci. C'est léger. C'est léger. Alors, c'est bon ? C'est coupé ? Et merci à Kaina TV et à La Franchie pour leur accueil et à Kaina.